Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans ce test de la coque, la housse de Coque Design, coque-design.com. Donc, j'ai demandé à imprimer justement celle-ci avec pas mal de très fin et pour avoir une qualité d'image assez surprenante. On pourra voir que c'est peut-être un petit peu pixelisé. La coque est vraiment très jolie en soi, ça me permet de la customiser. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai rajouté le petit flou en bas. Vous pouvez rajouter des images, des dessins, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi créer une image vous-même et la modifier ou envoyer une image déjà faite. Alors là, on va devoir clipser le téléphone. Hop, pas évident, évident. Mais une fois qu'il y est, au moins on sait qu'il est très bien protégé. Le petit magnète sur le dessus pour refermer la coque et pour la tenir en position. Voilà, qui fait son travail. Quand c'est fermé, il n'y a pas de problème. Le bouton power ici, qui est toujours accessible. Peut-être un petit peu difficile d'accès, mais on a quand même une protection qui est très efficace à ce niveau-là. Donc tous les angles, comme vous voyez, ne toucheront pas le sol, en tout cas pas directement. La capacité pour le micro à l'arrière qui est toujours ouverte, l'appareil photo, etc. Donc vraiment bien. Au niveau définition, vous pouvez voir que c'est quand même pas... Enfin, c'est bien, c'est des bonnes finitions, il n'y a rien à dire, justement, c'est pas des finitions qui ont été vues à la volée comme ça, comme on pourrait croire. Donc, les coques sont vraiment bien finies. Donc, là, vous pouvez voir sur le côté, niveau de finition des coques. Vous retrouverez aussi les photos sur mon blog, du coup. Voilà. Donc, franchement, je vous la conseille. Vous avez qu'à aller sur le site coque-design.com et c'est parti. Vous commandez votre coque personnalisée et vous la posez comme ça. Et c'est parti. Vos amis vont dire waouh, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce quoi? Qué paso? Voilà. Ils vont dire qué paso. Enfin, à très bientôt. C'était Flo.